d'Afresh Morning. Urban FM, 107.5, la station urbaine. My money, my body, vous écoutez Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. C'est parti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Jani, bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour Da Fresh. Y a la forme? Ouais. Et le week-end? Cool. Tu as fait quoi? J'ai mangé. C'est dormi. Tout. Donc toi, quand le week-end est cool, tu manges, tu dors. C'est mon passe-temps favori, c'est manger et dormir. Climador, tu as oublié de critiquer aussi. J'ai fait le Congo ça avec Paul. Voilà, c'est ça. Est-ce que et vous avez j'ai fait la ferrage à Gina. Tu as fait quoi? La ferrage. Tu vois, vous avez un contrat d'affairage. Ah, demande-lui. Jani. On n'a pas un contrat d'affairage, toi et moi, Gina. Le contrat d'affairage, là, c'est lequel? Oh. C'est pas bien, mais c'est... À peine elle a fait ça là, au mardi matin, on a demandé le week-end. Le week-end, vraiment, on a fait la ferrage. Pourquoi on s'est pas vu le week-end là pour faire le Congo ça, toi et moi? Le quand j'ai fait le compte rendu de la semaine et tout, machin. Pardon, Jani, fais ton émission, ne me cherche pas. On parle de quoi ce matin, Jani? Donc, aujourd'hui, on parle de comment calmer les démangeaisons de la peau. D'accord, ok. Donc, il faut d'abord savoir que les démangeaisons de la peau sont causées soit par une allergie, c'est-à-dire si vous avez utilisé des produits qui ne passent pas avec votre peau, ou alors vous avez eu à consommer des aliments ou, qui ne passent pas toujours aussi avec vous. Donc, vous êtes exposé aux démangeaisons de la peau. Les démangeaisons aussi sont causées par le stress, les piqûres d'insectes ou de l'eczéma. Ces démangeaisons appelées pruris peuvent toucher le cou, la taille, les cuisses ou n'importe quelle partie du corps. Donc, pour vous spécialement, j'ai eu à concocter des astuces grand-mère, bien sûr, qui peut vous aider à lutter contre les démangeaisons de la peau. D'accord. Nous avons le bain d'argile. D'accord. Diluer de l'argile dans de l'eau. Nous savons que l'argile ayant tendance à dessécher la peau. La dernière fois, tu as parlé de l'argile, non? Oui. Ok. Tu reviens avec ton fameux argile. Mais on n'a pas parlé de la même chose. On a parlé de l'argile pour le visage. Quel type d'argile utiliser pour son visage? Il n'y a pas la peau au visage. Si, mais ça, le visage, y a pas eu, on ne parlait pas de démangeaisons d'après. Gina. Elle appelle Gina au secours, hein? Gina. Gina. Gina, t'appelles au secours, faut répondre, la grande. La dernière fois, j'ai parlé de l'argile blanche, l'argile verte, l'argile rose. D'accord. C'était pour traiter le visage, pas pour traiter les démangeaisons de la peau. D'accord, ok. Donc là, aujourd'hui, on parle de comment traiter les démangeaisons de la peau. Et il faut de l'argile. Donc, un bain à l'argile. Et la dernière fois, on n'a pas parlé de bain d'argile. Ok. Donc, diluer de l'argile dans votre eau que vous allez vous laver avec. Donc, votre seau, bien sûr, que vous allez vous laver avec. Nous savons que l'argile ayant tendance à dessécher la peau. Donc, il est préférable de toujours appliquer une huile clarifiante après l'utilisation de l'argile sur le D'accord. corps. D'accord. Donc, nous avons le miel pur. Étaler du miel pur directement sur les zones touchées, c'est-à-dire où, par exemple, si c'est le cou qui vous démange, vous prenez le miel pur que vous allez étaler juste sur la partie qui vous démange, pas dessus tout le corps. Juste le sur miel la partie. Pur, on trouve ça où, le miel pur? Au marché. D'accord. En province. Le miel qu'on trouve au marché, là, c'est le vrai miel. Non, il y a le miel qui est. Il y a encore les abeilles qui travaillent le miel. Ça existe encore, oui, des ça abeilles. Ça existe, même s'il y a des femmes. Dans le Haut-Togo, les pygmées te vendent le miel qu'eux-mêmes ils vont récolter dans la forêt. Ils grimpent sur les arbres et tout. Ils coupent les ruches des abeilles là et ensuite ils pressent. Donc il y a beaucoup d'impuretés à l'intérieur. Parfois tu as des cadavres d'abeilles. Oui, oui, c'est tu vrai. Tu as des trucs. Ça, c'est le ça, vrai c'est miel. Ça, c'est le vrai miel. Bon, après, tu as maintenant le miel qui vient de France qu'on vend en grande surface dans des petites boîtes comme ça, très jolies. Des petits... Nous avons le miel aussi qu'on vend au marché. C'est pas le faux miel. C'est le faux miel. Non, c'est pas le faux miel. C'est du miel filtré. Non, c'est du le miel, mais le miel que les pygmées. Mais pas, je suis pas sûre qu'il soit pur parce que j'ai regardé un documentaire sur le miel en Europe et il y a la mafia du miel.
On rajoute des choses pour qu'ils coûtent de moins en moins cher. C'est comme ici aussi, il y a le miel, tu vas acheter au miel au marché, mais tu te rends compte que c'est du liquide, en fait, c'est de l'eau. J'ai l'impression que c'est de l'eau. Ah bon, ça, mais pas... le miel est gluant, non? Il est lourd. Le genre, quand il est dans la bouteille, tu veux même verser dans le verre, c'est difficile de sortir. Ah, c'est d'accord. Pas le genre de miel quand tu ouvres. Comme si non, on peut filtrer le miel, non? Le filtrer pour enlever les impuretés. Oui. Oui. D'accord, ok. Ok, donc c'est on frotte le miel à la partie. HTT. Il a dit, j'ai mon cas. Pardon. Donc, je disais, étaler du miel pur directement sur la zone touchée. Donc, si ce sont les bras qui vous font gratter, ce sont les pieds, le cou. Donc, vous prenez juste une petite quantité de miel que vous allez appliquer sur la partie endommagée. Nous avons le vinaigre de cidre. Mouillez une compresse dans le vinaigre de cidre, puis appliquez sur la peau. C'est-à-dire la même chose. Si ce sont les mains qui vous démangent, les pieds, les genoux, le cou, vous prenez votre compresse ou alors votre coton. Démanger, comment ça fait gratter, hein? Oui, ça, c'est ça, fait, ça démanger, hein? Ça fait comme la mycose, en fait, ça démange. Tu peux être là, c'est après un moment donné, tu te mets à gratter les pieds. Plus tu grattes, plus la peau s'irrite. Et après, tu as de fortes chances d'être exposé à une infection. D'accord. Voilà pourquoi, en même temps, il n'est pas, c'est pas bon, c'est pas pratique de se gratter avec les ongles, bien sûr. Donc, si la partie, si vous avez des démangeaisons et que la peau vous gratte, il est préférable de gratter juste avec la paume, comme ça. Ou alors, vous prenez, je ne sais pas, quelque chose de doux pour gratter, mais avec le contact des ongles sur la peau, c'est pas bon, ça peut vous irriter et vous donner des infections. D'accord, okay. Donc, je disais, aujourd'hui, vous allez utiliser du vinaigre de cidre que vous allez mouiller dans une compresse ou alors un coton. Et vous allez appliquer sur la partie endommagée. Le miel, vous étalez le miel pur directement sur la zone touchée. Et le bain d'argile, vous prenez votre argile, ça dépend de la quantité que vous voulez. Vous prenez votre argile que vous allez rajouter dans votre bain, puis vous vous lavez normalement. Et après, il faut toujours, toujours s'hydrater la peau avec une huile clarifiante ou une huile d'amande douce, parce que nous savons que l'argile a tendance à dessécher la peau. Donc, c'est tout. D'accord, pour aujourd'hui. Ok. Et ça, c'est pour les peaux, quel genre de type de peau? Les peaux qui font le Kwanza? Non, peu importe le type de peau. Parce que quand on fait le Kwanza, la peau peut encore tenir à ce genre de choses. Moi, je fais le Kwanza, mais ma peau tient encore à ça. Mais pourquoi tu serres les dents quand tu dis que tu fais le Kwanza? C'est dangereux pour l'humanité. Non. Gina lutte contre ça. Hein? En tout cas, Gina. Les gens qui se décapent la elle peau. Elle sait. Tu sais. Elle moi, sait. J'aime le Kwanza. On passe du temps. Quand on est ensemble, elle sait que je n'aime pas le Kwanza. Elle aussi, elle dit qu'elle aime le Kwanza. Donc. Mais tu es obligée de m'aimer comme ça, Gina. Elle-même, elle sait ce que je pense. Et ça, elle va finir par abandonner. C'est une affaire de pensée ou bien une affaire que ça a des répercussions? Non, je dis elle-même, elle va finir par abandonner parce que je vais la gazer avec. Non, Gina, tu ne peux pas. Non, le problème c'est que dans 5-10 ans, on s'en rend pas compte, mais énormément de filles auront des cancers. Voilà, tu c'est vois vrai quand même. Parce que quand tu frottes sur ta peau, est-ce que c'est ça rentre dans le sang. Ça rentre dans le sang, d'Afrèche. Qu'est-ce qui rentre dans le sang? Non, mais pourquoi le Kwanza rentre dans le sang? Pourquoi la crème, mais tout ce que tu frottes sur... Mais tout ce que tu frottes sur ta peau rentre dans le sang, justement, d'Afrèche. Même l'eau. Sauf qu'il y a des... Oui, oui. Donc, mais le corps est composé à combien de pourcentage d'eau? 70. Bah, on a de l'eau partout, tu vois? Pourquoi quand par exemple tu vas en forêt et qu'il y a des plantes que tu effleures comme ça là, ensuite ça va se gratter, ça va se gonfler et ainsi de là, suite. Là, c'est la peau qui s'irrite. Oui, mais comment est-ce que ça fait si, sans que tu ne te blesses, hein, il y a des plantes que tu touches et ensuite ça te crée une irritation. C'est que sans, on n'a pas besoin en fait d'être blessé pour qu'un produit puisse rentrer dans ton organisme. C'est que tu le touches juste et il rentre. Le problème avec les crèmes qui permettent de se dépigmenter la peau, c'est qu'il y a des produits à l'intérieur qui sont hyper dangereux. Ouais. Souviens-toi de ce qu'on avait, lorsqu'on avait fait l'historique du tchatcho, du Kwanza. C'était en fait les Noirs qui travaillaient dans des usines pour délaver les jeans. Ils utilisaient des produits extrêmement toxiques et dangereux pour délaver les jeans. Et au fur et à mesure, ils s'étaient rendus compte que leurs mains... en fait, avait changé de couleur. Donc, pour homogénéiser tout et tout ça, et surtout parce que à l'époque, il y avait les problèmes de racisme et tout. Plus tu étais noir, plus tu étais une victime. Ils ont commencé à voler un peu de ces produits-là et à mettre un petit peu dans leur crème et autres. Et enfin, après, pour dépigmenter tout le corps. Mais attends, le Kwanza, si tu arrêtes une seule seconde, le corps redevient noir. Non, en fait, le Kwanza, on n'arrête pas. Non, je dis si tu arrêtes. Oui, ça dépend quand tu arrêtes. Si tu arrêtes, le corps redevient noir plus que... Non, le corps continue à produire de la mélanine. Oui, tu deviens noir plus qu'avant. D'accord, non, c'est pas grave. C'est...
C'est une illusion. C'est parce que tu t'es dit que tu étais déjà clair. Tu ne deviens pas plus noir. Non, qu'avant. Tu deviens plus noir et ton noir devient vraiment sale. Non, c'est faux. Si. C'était le noir que tu avais avant. Non, non, non. Tu deviens plus sombre qu'avant. Mais le Kwanza, en tout cas, on arrête pour le Kwanza. On diminue juste la dose. N'est-ce pas, Gina? Non, non, non. Gina, on arrête. Laisse-moi dans mon Kwanza. Parce que moi, je ne suis pas. Est-ce qu'elle t'empêche de faire ton Kwanza? Non, non, elle te donne les risques. Elle me déstabilise dans mon Kwanza. Je ne viendrai pas te voir à l'hôpital. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Elle est blanche depuis, tu entends, non? Est-ce que tu vas devenir. En fait, chers auditeurs, là, vous avez l'archétype de la gauche qui pose le Kwanza. Ton objectif, c'est de devenir blanche. Non, je devais déjà être whiteisée depuis. Tout ça à cause de toi, Gina. Tu me bloques dans mon processus. D'accord. C'est quoi ton problème? Est-ce que j'attrape ta crème? Je te bloque comment? Parce que quand je suis en train de vouloir me décaper, je vais frotter mon gommage et tout. Gina, je dis merde. Merci, c'était Janice ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale. On se retrouve juste derrière dans quelques minutes seulement. Urban FM, 104.5, la station urbaine. My money, my body, vous écoutez Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.